commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer donc la puissance de Google Lens ou Google Lens pour les uns. Donc, cette application de Google est capable de reconnaître énormément de choses. Une très grande nouvelle pour les personnes en situation d'handicap. Ici, je vous ai mis sur le bureau différents produits, médicaments, et imaginez-vous dans cette situation. Vous ne voyez rien, vous prenez une boîte et vous ne savez pas ce que vous avez dans les mains. C'est le quotidien des personnes déficientes visuelles. C'est le quotidien des gens qui ont un problème visuel. C'est difficile à comprendre pour certaines personnes, moins pour d'autres, encore moins quand on vit cet handicap. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que Google Lens va être vraiment une grande aide pour les personnes en situation d'handicap. Cette application va pouvoir aider aussi sur certains monuments, donc d'autres personnes, des touristes éventuellement. Alors ici, on va tout de suite rentrer dans le détail sur le Galaxy S8 et Google Lens. Alors, pour cela, Accueil, touche. Sur Accueil, je fais un double tap et je laisse poser. Appuie long sur Assistant Google. Google Lens touche. Tout en bas, donc, on a Google Lens. On va prendre, par exemple, un tube de vitamine pour les yeux, lutéine. Et on va voir si le Google Lens est capable de Activer nous dire. Google Lens. Produit similaire. Juvamine Sante. Lutéine. Lutéine, c'est bien de la lutéine, myrtille pour les yeux. Et oui, c'est moi qui prends ça pour avoir un petit peu plus de relax au niveau de la vision. Cette boîte a été correctement reconnue. On va revenir en arrière. Retour tout. Et on va flasher une autre boîte de médicaments. Par exemple, ici. Accueil, touche. Activez Google Lens. Google Lens, Juvamine. Donc, on est bien en présence d'une boîte de Juvamine. 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 On va prendre une autre boîte. Je la montre ici et on va prendre donc la photo. Activez Google Lens. Levure de. Produit similaire. Levure de. Fleur. Voilà, donc c'est de l'ultra levure. On passe à une autre boîte de médicaments. Activez Google Lens. Il pourrait s'agir de l'une de ces propositions, ibuprofène. On est bien ici en présence d'une boîte d'ibuprofène. On va par exemple prendre une boîte de conserve. Ici, j'ai pris un pot de confiture, je ne sais pas du tout ce que c'est. Activez Google Lens. Il pourrait s'agir de l'une de ces propositions, confiture. Voilà, donc on est bien sur un pot de confiture. Alors, pour tout vous dire, lorsque vous n'êtes pas bien placé, à chaque fois avec le produit, vous pouvez tourner d'un quart de tour pour voir si Google Lens est capable de le reconnaître. Ici, avec une boîte de conserve. Activez Google Lens. Google Lens. Produit similaire. Garniture. Casino. Pois. Saumon. Il pourrait s'agir de l'une de ces propositions. Boucher à la reine. Voilà, donc on est sur une boîte de conserve de boucher à la reine. Voilà, une petite capsule Hupercule de machine à café. Activez Google Lens. Produit similaire. Nescafé. 96K. Dolce. Voilà, donc c'est une petite... Voilà, c'est donc une petite capsule d'Hupercule de café Dolce Vita. Vous avez donc pu entendre et voir la puissance de Google Lens. Ici, on a simplement mis l'appareil photo devant ses boîtes de conserve, devant ses boîtes de médicaments. Et comme vous voyez, Google Lens a correctement fait son travail. Voilà donc une petite vidéo information sur Google Lens. J'en ferai d'autres éventuellement lors de différents voyages. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous!